Avec une production annuelle au Congo d'1,5 million de tonnes de ciment, Dangote Cement SA, installée entre les villages Ndingi et Mfila dans la sous-préfecture de Yamba dans la Bouenza, rapproche davantage ses produits de sa clientèle, notamment celle du Cabinda, en installant ce dépôt au village Djeno sur la route nationale numéro 4. Les opérations de cette cimenterie vers cette province ont débuté le 6 décembre 2018. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Fin de citation. Cet éloge de détermination a été énoncé par l'écrivain Georges Baranos et il illustre parfaitement notre volonté à tous d'agir et de préparer l'avenir que nous voulons pour l'exportation du ciment vers le Cabinda. Et de ce fait, je profite de cette opportunité pour rappeler que nos opérations vers le Cabinda ont débuté le 6 décembre 2018 avec le client Casa Maimouna. Entre 2018 et 2019, nous sommes passés d'un volume de 824 tonnes à 16 000 tonnes, avec la participation de trois nouveaux clients, Martino Jimbi, Luzolo Bikuma et Casa Temal. Depuis 2023, avec nos efforts consentis mutuellement et l'acceptation de la qualité de nos produits, nous enregistrons 12 clients au total ayant exporté au moins une fois nos produits pour un volume total de 84 000 tonnes de ciment. Au regard de cette croissance et dans l'optique d'accompagner nos partenaires cabinets, nous avons décidé de nous installer dans la localité de Tchamandjassi, plus précisément à Ndjeno. Cette propriété de 2500 m² située à Ndjeno sur la route nationale numéro 4 est composée d'un entrepôt de 1200 m² prêt à recevoir jusqu'à 4000 tonnes de ciment. Une dépendance constituée d'un bâtiment servant de bureau, un abri pour générateur, autant pour moi, une guérite, un mur de clôture en matériaux durables. Ce dépôt s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à l'amélioration de votre expérience. Notre volonté de vous accompagner ne se limite pas ici. Avec l'aide de notre leadership, nous continuerons à améliorer nos services afin de mieux vous satisfaire et d'être plus proche de vous. Inauguré le 23 novembre 2017 par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, Dangote Cement Congo SA a une gamme de produits diversifiés. Nous avons une capacité de 1,5 million de tonnes de production annuelle. Nous avons une logistique propre de 180 camions. Nous attendons des camions additionnels. Et nous avons des partenaires au transport aussi qui nous accompagnent pour monter notre flotte au besoin à plus de 200 camions disposés à vous servir chaque jour. Nous sommes un groupe industriel certifié dans les trois dimensions qui existent, à savoir la qualité avec l'ISO 9001, la santé avec l'ISO 14001 et l'ISO 45001 pour des questions environnementales. Nous comptons dans notre gamme de produits différentes classes. Le 32.5R, un SEM2. Nous avons en SEM2 également deux types, le 42.5N et le 42.5R. Nous faisons également du SEM1 en 52. Le SEM1-52, qui est un produit adapté pour des travaux de mer et pour des zones marécageuses. Notre volonté de vous accompagner dans le développement économique ne s'arrête pas à ce stade. Avec votre soutien et celui de l'ensemble des autorités locales, nous espérons bâtir une relation à long terme avec la communauté de Tchamba. Ce rapprochement des produits Dangote Cement Congo SA est salué par ses partenaires du Cabinda. Nous sommes très reconnaissants envers Dangote parce que c'est la toute première fois qu'on voit cela, cela n'arrive pas tout le jour et nous apprécions l'ouverture de cet entrepôt qui nous approche plus de la frontière avec les conditions de embouteillage. J'espère que les choses seront plus rapides qu'auparavant. Après la coupure du ruban symbolique par le directeur général, les partenaires ont eu droit à cette visite guidée des lieux.